Le nord de 1501 prend de la hauteur. Les hommes bouclés à leur siège se penchent et regardent. Maintenant la mer plate, immense et bleue, défile en dessous d'eux. Ces paras, dont l'équipement n'est pas celui des autres, sont des marins en cours d'entraînement. Dans quelques secondes, ils vont sauter. Ce geste tant attendu et qui aujourd'hui leur paraît tout simple, couronne 5 mois d'instruction dont chaque étape a revêtu pour eux le visage de l'aventure. Aucun d'eux n'a oublié ce jour où, pour la première fois, ils ont passé la frontière d'un nouveau monde. C'est à partir de 1941 qu'est apparu chez les principaux belligérants un nouveau type de combattant sous-marin dont l'existence et les exploits d'une extraordinaire audace furent longtemps tenus secrets. Aucune marine à présent et même aucune armée au monde ne peut plus s'en passer. Mais au lieu d'hommes grenouilles, on dit plongeurs de bord, plongeurs des mineurs, nageurs de combat. Les missions qui incombent à ces hommes à bord des navires, dans les opérations navales ou amphibies, prennent une ampleur croissante. Travaux sous la coque, sauvetage en mer, attaque ou défense des bâtiments en mouillage, déminage des ports, des côtes et des chenaux. Après des épreuves d'aptitude physique sévères, analogues à celles de l'aviation, les candidats sont d'abord initiés à la plongée à l'air en scaphandre autonome. Nageoires, masques, ceinture de lest, bouteilles, détendeurs, vêtements de plongée, ces accessoires familiers aux fanatiques de l'exploration sous-marine, vont en quelques semaines les transformer en hommes-poissons. Dans ce nouveau milieu à 3 dimensions, 900 fois plus dense que l'air, où la pesanteur est abolie, les lois physiques sont différentes. Il faut y acquérir d'autres réflexes. Apprendre à se séparer de la surface, à s'enfoncer sans inquiétude, en équilibrant les tympans à la pression croissante de l'eau, et à prendre contact, au fond, avec les habitants de ce nouvel univers. Élèves que rien n'est perdu si l'on perd momentanément sa lunette ou son embout, à condition de garder son sang-froid. L'échange standard de branchies est possible. Puis viennent les travaux pratiques sous la coque. Un plongeur doit être capable, dans l'eau, de se servir d'un poignard, d'un marteau, d'une scie, d'une lime, d'un chalumeau. Sans lui, la simple visite d'une vanne, le nettoyage d'une crépine, exigerait un passage au bassin. Une haussière engagée dans l'hélice paralyserait le navire. L'entraînement, avec exploration et travail au fond, est poursuivi jusqu'à une 40aine de mètres. Période passionnante parce qu'elle révèle aux plongeurs la beauté des paysages sous-marins et les conduit parfois, à travers les siècles, sur des épaves inconnues. Ici, un navire chargé d'amphores a sombré sur les récifs de l'île du Levant au 1er siècle avant Jésus-Christ, par 27 mètres de fond. On a trouvé dans les amphores des vertèbres, des écailles, des arêtes de poissons et des coquilles d'amandes encore intactes après 2000 ans. Il est à craindre que l'année de ce naufrage, une légion de Jules César occupée à la conquête des Gaules ait longtemps attendu ses villes. Mmh.
les mêmes parages, sur la côte sud de l'île, les plongeurs s'enfoncent avec des torches. Un vaisseau de Catherine II, le Victoria Russia, commandé par le capitaine Bouskov, s'est fracassé sur les rochers un jour de tempête, le 3 novembre 1780. L'eau est sombre à 36 mètres. L'épave a glissé le long de la falaise et s'est enlisée. Les mâts, les superstructures se sont effondrés. Seuls les canons, par batterie de trois, recouverts d'une fourrure de faune et de flore, émergent du sable. Passé. Les élèves certifiés plongeurs de bord embarquent sur les bâtiments où ils veillent à la sécurité des œuvres vives. À bord des porte-avions, avec ou sans appareil respiratoire, ils assurent le sauvetage rapide des équipages accidentés. D'autres poursuivent leur instruction afin de devenir les spécialistes du déminage. Attention plongeur paré. Avant 800 tours. C'est à ces hommes, en liaison avec les flottilles de dragueurs, qu'incombra la lourde, dangereuse mission du repérage et de la destruction des mines le long des côtes, dans les chenaux et dans les ports, la surveillance des coques contre le sabotage. Ce traîneau remorqué augmente considérablement le rayon d'action du plongeur des mineurs, seul capable en définitive d'aller voir au fond, d'identifier, de détruire les engins ennemis. La plongée comporte des risques. Elle est soumise à des règles de sécurité qu'il est essentiel d'appliquer strictement. Son accident typique est l'accident à la décompression, dont la cause est restée longtemps inexpliquée. L'homme en plongée, respirant à une pression supérieure à la pression atmosphérique, dissout progressivement l'azote de l'air dans son organisme. Si le plongeur remonte sans respecter les paliers prescrits, des bulles prennent naissance dans le sang, comme dans une bouteille de soda brusquement débouchée. Elle déclenche des troubles pouvant entraîner la paralysie ou la mort. Le seul traitement, qui prend souvent des allures de miracle, est la recompression immédiate.
Tout chantier de plongée doit disposer sur place d'un caisson portatif où l'accidenté, maintenu en atmosphère comprimée, peut être transporté comme dans une ambulance jusqu'à la chambre thérapeutique la plus proche. Nous sommes ici dans la chambre du groupe d'études et de recherche sous-marine à Toulon, le GERS. Le GERS n'est pas seulement un centre de traitement qui a sauvé la vie à de nombreux plongeurs. Créé en 1945, berceau du scaphandre autonome et du bathyscaphe, il est dans le monde l'un des grands leaders de la plongée. Dans ce caisson expérimental, on étudie à sec, à une pression correspondant à 40 mètres d'eau, le comportement physiologique d'un sujet sous diverses conditions de travail. Ça marche ? Ici est contrôlé en piscine le fonctionnement des appareils à oxygène à l'usage des nageurs de combat. Allô, Périmont, montre-moi votre appareil. Ces appareils à circuit fermé n'émettent pas de bulles venant crever à la surface comme les scaphandres à air. C'est bon, à monter. Ils présentent donc, pour les interventions militaires, l'avantage d'une discrétion et d'une autonomie plus grande. Mais dangereux au-delà de 8 mètres d'immersion, ils exigent une discipline d'emploi rigoureuse. Les plongeurs s'encordent deux à deux comme des alpinistes. Les nageurs de combat s'exercent à la mise à l'eau et au repêchage le long d'une côte supposée tenue par l'ennemi. L'entraînement touche à sa fin. Il leur reste encore à subir une dernière métamorphose, celle d'homme-oiseau. Attention, pareil pour le kayak. Ouais. Thank you.
pour ces deux-ci, l'exercice n'est pas terminé. Ils ont rendez-vous sous la mer. Le panneau. Tout est prêt pour la délicate manœuvre du sas. Et celui-ci fonctionne exactement comme une écluse. Attention au kiosque, nous sommes rentrés, asséchez le sas. Asséchez le sas. Ouvrez le panneau. Du groupe numéro 2. Terminé. Les nageurs de combat du deuxième groupe vont ressortir. C'est la manœuvre qui permet à l'équipage d'un sous-marin coulé par faible profondeur d'évacuer le navire. Elle est possible pour des hommes entraînés sans appareil respiratoire jusqu'à 30 ou 40 mètres de fond. Fermez les panneaux inférieurs.
Paré pour le remplissage. Paré pour le remplissage. À l'intérieur du sas, l'eau monte, dépasse le parquet, monte toujours, comprimant l'air à la partie haute. Remplissage paré. Ouvrez le panneau supérieur. La même pression règne maintenant sur les deux faces du panneau. Rien ne s'oppose à l'ouverture, la voie est libre. Commençons les sorties. Tout droit, la bouche grande ouverte d'où s'échappe un flot de bulles, il remonte d'un trait vers la lumière. Je vais sortir, opération terminée. Sous la surface des mers qui couvrent les 7/10 du globe, s'étend un monde à 3 dimensions, prodigieux réservoir de vie et de richesse. Plongeurs, sous-marins, bathyscaphes, commencent à peine à le pénétrer, à le connaître, à le conquérir. Et le ciel est trop chargé de foudre pour que la mer profonde, avec le flot d'espoir qu'elle suscite, n'apparaisse maintenant aussi comme un ultime champ d'action et le dernier refuge.